Bah pourtant c'est le même fois. Non, j'ai pas dit bonjour encore, je n'ai pas eu le temps. Il est un petit peu tard. Midi. Oui, non, j'ai fait un petit passage, mais bon, c'est pas bien grave. Donc aujourd'hui nous sommes samedi. Rémi s'est rendu compte, je sais pas comment, qu'il y avait les meubles qui étaient en train de tomber, littéralement, les meubles haute cuisine. Bah, en fait, si vous voulez, c'est des meubles Ikea et les cuisines Ikea, maintenant elles se montent, je vais vous faire voir. Vous voyez là-bas, il y a une réglette en fait qu'on met sur le mur et il faut clipser en gros, c'est ça? Non, en fait, enfin, cette réglette dans le mur avec des vis qui sont fournies qui sont comme ça. D'accord? Des petites vis de crotte. Voilà, les vis. Pour parler poliment. Exactement, et en fait, elles étaient en train de se sortir. Les vis étaient en train de sortir. Le problème, c'est que si. Bon, elles sortaient pas partout, heureusement, mais ça. Enfin, je m'en suis rendu compte, je cherchais mon pistolet à silicone dans ce meuble-là parce que je sais pas pourquoi j'aurais fait le meuble. Et il était là? Je voyais que le meuble bougeait, non? Et il bougeait un peu. Mais c'est quoi ce bordel? Je regarde de côté et c'est pas en train de sortir. Du coup, j'ai remplacé ces vis-là par ces vis-là. Voilà, mais du coup, ben comment hein, c'est un petit comment peu dire, le. Mais ça se dit comment vous dire hein. Bah oui, et du coup, c'est un peu le bazar quoi. Voilà. Donc, oui, j'ai pas eu le temps de vlogger avant. Donc là, on va les manger, on rangera après. Oui, parce que la table du coup est là, parce que bah, là, il n'y a pas de place. Hein, et là, bah, y a le meuble. Voilà. Du coup, on va manger là-bas. T'as dit bonjour, Jules, toi? Non, t'as pas dit bonjour non plus. Bonjour. Moi, je suis Quentin. Oui. Allez, on va aller manger. Repas grandiose. Les enfants, c'est frites poisson pané. Et nous, c'est frites haricots blancs, la sauce tomate. Voilà. On fera mieux ce soir. Hein. On n'a pas eu le temps, là. On n'a pas eu le temps. Mais la maison est à peu près rangée, nettoyée. Enfin bon, là il va falloir repasser l'aspirateur. Sauf la cuisine. Oui, la cuisine n'est pas rangée. Elle était rangée. Oui, bah ça va se ranger. Avant cet épisode, mais bon. Mais ça termine pas très vite. Ah non, c'est déjà pris. Parce que là, il y a un bazar là-dedans. Bah oui, mais c'est des trucs. Tu pourrais gagner de la place, je pense. Rangeant un peu. Ouais, viens manger. Oui. Allez, bon appétit. Je sais pas ce que tu Et moi là, je vais vous montrer un peu. Je vais. Regardez-moi. Ça. Regardez-moi. Regardez-moi. Ça va être une bonne gorge, vous allez la voir. Ça c'est jusqu'à là. Vous allez voir le gâteau, ce sera gagnant. On m'écarte derrière. Gagné. Il est 3h, Rémi est en train de surveiller les 4 loulous qui sont en bas. Moi je suis en train de me faire une petite tisane de thym. Et je voulais vous faire voir en vitesse, j'ai fait mon centre de table. Par contre je sais pas si je laisse ça en fait. Je sais pas, dites moi en commentaire ce que vous trouvez de plus joli comme ça. Ou comme ça. Voilà. J'arrive pas trop à me décider, on va dire. Voilà. Donc ça c'est une composition toute simple. Ça vient de chez Action. Ça vient de chez Action. Action. Ziman. Action. Ça je l'ai pris. Je l'ai ramassé dehors et j'ai mis de la peinture. Ça vient de chez Ziman et vous pouvez en trouver chez comment ça s'appelle? Chez Jiffy. Ça c'est ma maman qui me les a passés. Elle les avait achetés il y a très longtemps mais vous pouvez en trouver partout.
Ça, ça vient de chez Jiffy. Ça, ça vient de chez Jiffy. Ça, ça vient, c'est vieux, mais vous pouvez en trouver partout. Et derrière, voilà. Voilà pour celle-là. Tiens. De la salade. Doucement. Tu veux nous casser les meubles. Tiens, c'est fini là. T'as fini l'œuf? Bah mets-le là. C'est pour ma poêle. Pour le couper. Comme ça. Inès, tu voudras ma fraise? Ah, t'as déjà de la carotte. Je veux de la carotte. Tu veux du bacon? Non. Toi Lily, tu veux du bacon? Moi j'en veux. Allez donne. Je vais le manger. C'est combien d'insectes tu dois faire? Tu dois attraper. Ça vous êtes d'accord? Vous avez compris? On fait tourner la roue. Voilà, par exemple je vais faire en attraper. Ensuite, si le joueur arrive à sauver ses insectes sans réveiller l'araignée, il peut les garder. Il fait alors tourner la planche de Miss Kipik autant qu'il veut avant de donner la pince au prochain joueur. Ok. Si Miss Kipik se réveille et saute, le joueur qui l'a réveillé arrête de prendre des insectes. Il doit reboucher les trous piégés en remettant les insectes dedans. Miss Kipik recommence alors à tourner. Si elle ne recommence pas à tourner, c'est que le joueur n'a pas remis d'insectes dans le bon trou. Comme punition, il doit rendre un autre insecte. Tu dois attraper les insectes. Ah. Allez, vas-y, fais tourner la roue déjà. Tu dois attraper 3 insectes. Sans la réveiller. 1, je vois la nuit. Oh. Tu veux rejouer ou tu veux passer au suivant? Non, passe au suivant, tiens, on va faire comme ça. Passe à Inès. Non, c'est Inès. Il faut qu'elle tourne la roue. Vas-y, tourne la roue, Inès. Tu fais tourner la roue? Fais tourner. Faut que tu fasses tourner. Un. Tu dois en attraper un seul, Inès. Vas-y. Tu en attrapes un? Attrape un insecte. Il faut pas qu'elle se réveille. Donc, faut les remettre dans le trou. Voilà. Allez. Maintenant, c'est à Ethan. À Ethan. Et la copine de Lucas viennent de partir, il est 6h32 exactement. Avec Rémi, on a la flemme tous les deux de faire à manger. Du coup, on va à Flunch avec les enfants. C'est la bonne alternative parce que quand les enfants peuvent manger sans gluten là-bas et sans lait, bon, on est d'accord que c'est pas de la super bouffe, mais bon, c'est voilà. Donc on va leur faire plaisir, comme ça ils sont tranquilles, nous on peut se resservir, moi je peux manger tous les légumes que je veux, Rémi peut s'en mettre plein la panse aussi. Pour pas trop cher, et pendant que nous on mange tranquillement, les enfants ne sont pas excités, ils sont devant les jeux. À chaque fois on se met devant les jeux. Donc ils sont contents, donc comme ça ben, tout le monde est content. Voilà, donc et ben, c'est parti, on y va. Voilà. Et le petit Jules, il est en train de regarder, mais de toute façon il a déjà fait sa promenade. Oui. Comme tu veux, comme tu veux. Ouh, pardon, excusez-moi. T'es contente? Doucement, tombe pas. Et toi, t'es content? En plus, il a l'air d'avoir un monde pas possible. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is. Coucou! Coucou, monsieur!
Vous nous emmenez où? Tu sais pas? Une place où il y a des bébés. Où le volant mènera. D'accord. On était à Chiac. On était à Flunch, oui. Mais vous n'avez pas pu jouer parce qu'il y avait trop d'enfants qui n'étaient pas gentils. Et il y a un enfant étranger qui s'est fait taper. Oui, enfin, quand on dit étranger, c'est pas péjoratif. Pas pensé, enfin, c'était un petit qui avait quoi, 3-4 ans. C'était des touristes qui n'étaient pas du tout français. Je sais même pas ce qu'ils parlaient comme langue. J'ai jamais, enfin, je sais pas. Et bah, il s'est fait taper par des grands qui n'étaient pas très intelligents. Enfin, des grands. Une dizaine d'années, je dirais, qui n'étaient pas très intelligents et qui n'étaient pas spécialement très gentils avec les autres. Du coup, ben, les enfants étaient un peu déçus parce qu'ils n'ont pas pu. On leur a dit, il y a un peu trop de monde. De toute façon, ils l'ont vu de même, hein, qu'il y avait un peu trop de monde et que c'était peut-être pas très judicieux. Ah, moi, j'ai rien dit. Hein. J'ai rien dit. C'est eux qui. Non, ont... moi, j'ai rien dit. J'allais dire. Moi, j'étais en train de manger. J'allais dire à Lucas, tu surveilles bien ta sœur et tout. Et Lucas, attention. Il m'a dit, il y a trop de monde, on va pas y aller. Et il m'a dit pareil. Ah, bon, ben, ils ont été prudents. C'est bien, les loulous, je suis fière de vous. Bravo. Voilà, c'est bien, bravo. Et du coup, là, bah, Rémi nous a eu l'idée de. Du coup, il n'y a pas de jeu, enfin, on va aller faire un petit tour. Donc, on va faire un petit tour. Donc, on va sûrement se retrouver place de Jode. Bon, on va sûrement se retrouver place de Jode pour aller voir les décos de Noël. Mais on va pas non plus trop tarder parce qu'il est 8h08. Donc, bon. Et oui, et Lucas, il a partagé la grosse couette avec Lily. Elle en a fait plus, donc je dormirai. C'est bien, t'es mignon, t'es gentil. T'es gentil. C'est devant l'école, le manège est fermé. Je t'arrive pas à enlever ma veste. Lily s'est endormie dans la voiture, du coup. Il est en train de la coucher tout de suite là. Voilà. Cookie est en train de jouer avec ma veste. Donc je vais me déshabiller. Je vais aller voir Lily pour lui faire un bisou et puis Lucas va aller au dodo parce que là il est 9h moins le quart je crois. Normalement elle est largement au lit, hein, surtout qu'elle a pas voulu faire de sieste. Voilà. Aujourd'hui Lily n'a pas voulu faire de sieste et demain comme elle va à un anniversaire ce sera pareil. Elle ne va pas vouloir faire de sieste. Bon je vous laisse parce que là on a un petit peu de trucs à faire. Quand je te vois dans ta combinaison, ça me donne envie d'en avoir une. Je pense que je vais m'acheter celle que j'ai vue sur la halle. Tu l'as fait en l'air ? Non, allez, viens, on va au lit. J'irai voir Lily après. Avance. C'est trop bon, l'orangina. Oui, c'est bon, l'orangina. Allez, au dodo, viens. Lucas, on va au dodo. Ton volet, il est pas fermé. Je suis contente parce que à Flunch, j'ai un jeu de dames. Star Wars. Là, il y a des petits trucs pour ton jouet. Moi, je prendrais ceux-là.
Papa, il prendra celui-là. Et puis sinon, le reste, c'est comme ça. Là, c'est le jeu. Voilà. Là, il y a la notice. Oui, on regardera demain parce que là, il est tard. Comment jouer, obtenir une dame. Gagner oui, mais je lira parce qu'il est gagner le jeu, je peux aller tout de suite. Oui, mais c'est un joueur gagne le jeu lorsque son adversaire ne peut plus bouger ses points restants. Ses pions. Ses pions restants. Et ne possède plus de pions. Plus de pions. Voilà. On verra demain. J'ai des petites cornes. Oui. Tu as passé une bonne journée avec ton copain. Après, on a été oui, dans la fleur. Ça fait plus 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Ah, ça fait 1 minute 11 qu'on parle. Voilà. Donc oui, Lucas, il a passé une bonne journée du coup parce que ton copain il est venu. Après, on a été à Flunch, t'as eu un petit cadeau. Vous avez pas pu jouer, mais du coup, on a été voir en compensation les décos de Noël. On n'est pas sorti de la voiture parce que franchement, il fait froid. Lily était fatiguée, donc on va pas non plus. Ouais. Donc comme ça, tout le monde est content. On a vu les décos, Lily les a vus, on était au chaud, on a pu profiter. La grande roue. Et elle a pu se reposer. Oui. La grande roue, peut-être qu'on ira, mais moi j'ai pas peur du vide, mais je sais pas si je serais très à l'aise en haut d'une grande roue comme ça. Et maman, moi en fait, déjà en haut du tabouret, si je me mets toi. Moi déjà tout en haut du tabouret là. Ma soeur ou elle même pour se laver les mains. Si je regarde en bas, j'ai du vertige. Ah. Donc je pense que j'aurais peur dans la grande roue parce qu'elle est vraiment très haute. Je ne sais pas combien elle fait la grande roue de Clermont. Je l'ai mais... essayé, mais je l'ai jamais fait. Oui, elle est haute. Hein. On peut faire une partie. Ah non, il est tard. Moi je dois aller monter le vlog, je vais aller faire un bisou à Lily. Et puis je faut que j'appelle mamie. Il a sorti un pion. Ouais, faut pas le perdre. Oh, il est tombé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon allez, on vous dit à demain. Demain. Gros bisous. Ma belle. J'avais perdu le noir. T'avais perdu le noir? Oui. Papa me le voulait. Ah, il n'avait pas fermé le volet, papa. Oui. D'accord. Mais là, il a fait. Tu as passé une bonne journée? Ouais. On ne voit pas très bien. Ah si, ça va un petit peu mieux. Ah non, on va essayer de. C'est pareil, on nous voit toujours aussi mal. Bon mais c'est pas grave. Donc Lily, t'as passé une bonne journée avec ta copine? Oui, on voit. On a vu un gros sapin. Un grand sapin sur la place de Chaude, il était très beau. Il avait un grand sapin, il avait une grande roue. Une grande roue, une énorme roue, oui. Voilà. On va vous dire à demain. Essaye de monter. Ah oui, c'est dur de monter, oui. Ça fait mal. Non. Tu t'es pas trop déçue de pas avoir pu jouer au jeu à Flunch? Non. Non, il y avait des grands qui étaient pas cool. Hein. Ouais. Ils ont fait des bobos à un petit garçon. Ouais. Ouais. Donc bon. Allez, on vous dit à demain. Oui. Parce que bien s'amuser avec Etienne et Inès. Et vous êtes bien amusé avec Etienne et Inès cet après-midi, oui. Oui, c'est vrai. Allez, on vous dit à demain. Bonne nuit. Bonjour. Tu peux, Rickel, tu peux. Oui.